Bonjour à tous. Bienvenue donc à ce webinaire créer des cours de physique dynamique à l'aide des vidéos JOV. On va commencer. On attendait quelques petites minutes de voir s'il y avait plus de personnes qui se joignaient, mais je pense que on est pas mal. Moi je suis Alexandra Cribier, je suis spécialiste éducation et recherche à JOV. Mon rôle, c'est d'accompagner les enseignants dans l'utilisation et l'intégration des ressources JOV à leurs enseignements. Dans ce webinaire, il y a aussi mon collègue Christophe Cerdan. Bonjour Chris, qui va m'accompagner lors de ce webinaire. Si jamais vous avez des questions pendant le webinaire, je ferai des pauses hein, pour vous demander si vous avez éventuellement des questions. De toute façon, il y aura une petite session à la fin si vous avez besoin de poser des questions. Mais n'hésitez pas à utiliser la boîte Q et R, donc questions et réponses. Si Chris peut vous répondre, il le fera. Sinon, n'hésitez pas, Christophe, n'hésite pas à m'interpeller s'il y a des questions ou on voit ça à la fin. Enfin, voilà, il n'y a pas de problème. J'espère que vous voyez tous bien mon écran. Bienvenue. On va débuter ce webinaire. Par contre, je vais arrêter ma vidéo, ça ne vous dérange pas parce que j'ai un petit problème de connexion. Hop là. Alors, l'agenda de ce webinaire, on va faire un bref aperçu de JOV et on verra les collections JOV pour l'enseignement de la physique. Enfin, je vous montrerai comment vous pouvez trouver et utiliser les ressources JOV en physique. Et puis, on passera sur une partie un peu plus interactive ou technique, on va dire. Et je vous montrerai comment vous pouvez intégrer les ressources JOV sur Moodle. Et je vous présenterai également la fonction quiz. Et enfin, on aura la place un peu pour des questions-réponses si besoin. Très rapidement, à propos de JOV. JOV, c'est le premier producteur et fournisseur mondial de vidéos scientifiques, ayant pour mission d'améliorer la recherche et l'éducation scientifique. Aujourd'hui, on va proposer plus de 20 000 vidéos sur les expériences et concepts scientifiques. Sur notre plateforme, vous allez retrouver deux vidéothèques. Une vidéothèque qui va être dédiée à la recherche avec des articles de recherche, avec la particularité qu'on va proposer des protocoles expérimentaux accompagnés d'une vidéo pour faciliter la reproduction des expériences. Et on va avoir une vidéothèque dédiée à l'enseignement des sciences. Ça, c'est plutôt la partie qui va nous intéresser aujourd'hui. Pour votre information générale, on a plus de 1 200 institutions abonnées dans le monde et on a vraiment un intérêt qui est grandissant d'année en année avec plus de 60 millions de visites uniques par an sur notre site. Quelles sont les solutions que JOV va offrir du coup pour l'enseignement? Grâce à nos vidéos d'animation et à la possibilité de visualiser des concepts complexes, on va augmenter l'engagement des étudiants et on va forcément les aider à mieux comprendre grâce à la visualisation des concepts scientifiques qui peuvent parfois être complexes à appréhender pour eux. En favorisant la compréhension, on va forcément favoriser la réussite aux examens des étudiants. Pour les enseignants, on va aider les enseignants en diminuant le temps nécessaire à la préparation du matériel de cours, puisqu'en fait, on va vous proposer vraiment du contenu qui est aligné sur le programme d'enseignement et qui va donc facilement être intégrable et facilement associable à vos cours, que vous allez pouvoir pouvoir complémenter du coup avec ces vidéos, avec ces supports visuels. Je souhaitais vous montrer un peu une étude qui a été réalisée, qui a été publiée dans le journal Chemical Education, pour vous montrer, excusez-moi, un peu l'effet de JOV sur l'apprentissage des étudiants. En fait, dans cette étude, ce qui a été réalisé, c'est des étudiants, on leur a ont suivi un cours magistral classique, durant lequel on a abordé une notion en chimie. Puis ces étudiants ont répondu à un QCM. La même notion a ensuite été proposée aux étudiants via une vidéo JOV et on a ensuite proposé aux étudiants de répondre à un QCM. On a la situation pré-vidéo, c'est apprentissage de la notion via le cours magistral classique et post-vidéo, apprentissage de la notion via la vidéo. Bien sûr, si on va regarder, si on s'intéresse, et c'est là que c'est vraiment intéressant, aux étudiants qui n'avaient pas un taux de 100% de réussite au QCM, en utilisant uniquement l'apprentissage via le cours magistral, on voit qu'on a une augmentation chez les étudiants qui vont avoir plus de difficultés
à appréhender les notions via un apprentissage classique, on va voir qu'on va augmenter les résultats de 29% à 89% au test de QCM. Donc on voit vraiment que la vidéo, ça peut être vraiment une solution pour faciliter l'apprentissage des concepts scientifiques qui peuvent être donc difficilement appréhendables uniquement à travers un texte ou un apprentissage un peu plus classique. Donc ça peut être vraiment un outil qui peut servir de levier pédagogique dans certains cas, puisqu'on n'a pas forcément tous la même façon d'apprendre et de retenir les choses. Et donc en associant un apprentissage on va dire classique, si je peux me permettre de dire comme ça, avec donc des outils, que ce soit l'outil numérique, on voit qu'on peut favoriser l'apprentissage et la réussite des étudiants. Alors en ce qui concerne du coup la physique, quelles sont les collections que Jove va proposer pour l'enseignement de la physique? Aujourd'hui, on va particulièrement se focaliser donc sur la ressource qu'on appelle Jove Core Physique. Qui va être donc une ressource qui va être dédiée à l'enseignement de la physique principalement en licence. Donc, on a développé vraiment une collection de vidéos ici, conçues pour répondre aux besoins des enseignants et des étudiants, donc, afin d'améliorer donc l'expérience d'apprentissage et d'enseignement. Dans cette collection, vous allez retrouver 33 chapitres avec plus de 490 vidéos. Au niveau de l'accessibilité, aujourd'hui, on va proposer donc des sous-titres en 12 langues. Donc, ça va être intéressant, notamment si vous avez des étudiants étrangers. Et on a aussi des voix off donc, qui vont arriver au fur et à mesure, notamment en français. L'idée de cette ressource, c'est de proposer des vidéos en fait, d'animation assez brèves. On va illustrer donc, un concept, une vidéo. Donc, on a des vidéos qui vont être en moyenne de 90 secondes. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Pour l'engagement des étudiants, puisqu'on va avoir vraiment une information sous un format assez court. Donc, on pourra vraiment en avoir une utilisation vraiment diverse et variée, notamment pour l'apprentissage en autonomie, pour pouvoir permettre de revoir des notions clés, mais notamment aussi, par exemple, pour permettre de faire une coupure lors du cours, par exemple, pour rattraper un petit peu les étudiants en cours magistral, par exemple. Alors, vous pouvez leur diffuser une vidéo qui permette d'illustrer la notion que vous venez de leur enseigner. Avec ces vidéos, en fait, on va aussi avoir des vidéos qu'on appelle des vidéos de scientifiques à l'action. Bon, là, on va partir sur des protocoles un peu expérimentaux, c'est des articles vidéo, hein. Des articles expérimentaux, donc des articles de recherche, qui vont permettre de présenter en fait des applications concrètes des concepts qui sont enseignés dans les différents chapitres. Donc, pour revenir sur la collection Core, hein, donc, comme je vous dis, ça va être une collection qui va être constituée donc, de vidéos d'animation qui vont permettre d'illustrer donc les concepts de physique fondamentaux qui, comme je vous disais, peuvent parfois être difficiles et qui peuvent être abstraits pour les étudiants. Donc, en fait, les animations, elles vont permettre de simplifier des phénomènes complexes. Et on va pouvoir ainsi améliorer la compréhension des élèves. Donc, on va donc forcément conduire à une rétention accrue des informations. Comme je vous le disais, on a un contenu qui va être aligné sur les normes éducatives. Hein. On va être international. On a aussi conçu cette ressource en utilisant des manuels hautement référencés. Et on a vraiment une collection qui va être organisée et qui répond aux exigences des objets. Et aux objectifs d'apprentissage des établissements universitaires. Vous allez aussi retrouver dans cette ressource des vidéos qui vont être des vidéos de résolution de problèmes, donc après chaque concept. Et en fait, ici, l'idée, c'est d'aider les étudiants à développer donc, des stratégies de résolution de problèmes et donc en fait à renforcer leur confiance dans leur capacité à appliquer les principes de la physique. Et donc, on va ainsi améliorer la rétention du contenu. Donc là, par exemple, ici, on a une vidéo sur l'équation cinématique. Et donc, cette vidéo, elle explore les équations cinématiques pour résoudre des problèmes liés au mouvement d'objets. Donc, on va aller voir à quoi ressemble cette vidéo. Comme ça, vous allez pouvoir voir à quoi correspond cette ressource. Et on voit qu'on a donc, vous allez voir donc la vidéo d'animation et le format bref de ces vidéos. Donc, dans cette ressource, pour l'instant, la voix off n'est pas disponible, mais elle The va bientôt être kinematic disponible. equations of motion Donc, are je vais mettre useful les to solve sous-titres. problems involving On va regarder cette one-dimensional vidéo. motion of objects under constant acceleration. Consider a couple driving to a nearby coffee shop. They start the car and apply a constant acceleration of 2 meters per second squared. What will be the car's velocity after 20 seconds and the distance covered by it in that time? The choice of the equation to solve the problem depends on the known quantities and the unknown quantities. Here, the known quantities are constant acceleration, time,
the initial position, and the initial velocity as the car was at rest. The unknown quantities are the velocity and distance covered after 20 seconds, which can be calculated using the first and second kinematic equations. Substituting known values in the first kinematic equation gives the velocity of the car, which equals 40 meters per second. Then, substituting the known values in the second kinematic equation, simplifying and solving it, gives the distance covered by the car equal to 400 meters. Voilà, donc ça c'est un exemple de vidéo basé sur la résolution de problèmes. Et vous voyez, on a un format quand même relativement court, donc ce qui permet vraiment de donner une information définie et précise. Ensuite, on va aussi avoir, donc vous allez retrouver aussi donc, dans cette ressource donc, des vidéos donc, qui ont représenté des applications au monde réel. Donc l'idée ici, c'est de présenter des applications concrètes des principes de physique hein, qui vont du coup aider les étudiants quelque part à avoir la pertinence de la physique dans leur vie quotidienne. Et donc de finalement de finalement quand on comprend un peu enfin quel, à quoi nous sert toutes ces choses, c'est toujours plus facile donc de retenir et de retenir les concepts qu'on nous apprend. Donc là par exemple on a une vidéo qui va démontrer les applications pratiques de la première loi de Newton. Donc on va aller regarder cette vidéo, ça va vous donner un autre aperçu. C'est encore une fois une vidéo qui dure Newton's bah, first une minute, law hein. States that an external force is required for any change in the object's state of motion. To understand this better, consider a ball at rest. The forces acting on it are the gravitational and the normal force that are equal in magnitude and opposite in direction. Hence, the net force is balanced. If, however, the ball is pushed softly from one side, the forces are unbalanced. There is a net force acting on the object, and the ball starts rolling in the direction of force. Once in motion, no net force acts on the ball, but the ball keeps rolling. It would have continued to roll forever if it were not for the air resistance and the frictional forces. These act opposite to the direction of motion and bring the ball to rest. The object's resistance to change in its state of rest or motion is called inertia. Thus, the first law is also known as the law of inertia. Inertia offered by any object is directly proportional to its mass. Voilà. Donc là, c'est encore une autre utilisation de la vidéo. Voilà, vous pouvez vraiment donc soit on va retrouver donc comme je vous disais donc des concepts, des vidéos reliées à la raison de problème ou des vidéos donc à la, qui vous permettent en fait de concrétiser, de conceptualiser un petit peu plus les principes physiques que l'on peut apprendre. Voilà, donc on va juste un petit peu plus aller un petit peu plus en profondeur du coup sur cette collection JovCore. Hein, donc c'est vraiment le cœur de cette présentation. Ce n'est pas la seule ressource, on verra par la suite qu'il y a d'autres ressources aussi pour l'enseignement de la physique. Donc en fait, qu'est-ce que vous allez retrouver dans cette collection JovCore physique? Donc vous allez retrouver, comme je vous disais, 33 chapitres. Donc on va avoir donc, les deux premiers chapitres qui vont être des vidéos fondamentales qui vont fournir des concepts de base nécessaires aux étudiants pour comprendre les concepts plus difficiles à venir. Donc on va avoir donc, deux chapitres autour des musées, des mesures unités, des dimensions, vecteurs et scalaires. Ensuite, vous allez avoir donc, des chapitres 3 à 13, donc des chapitres qui vont être dédiés donc, à la mécanique. Donc, on va couvrir vraiment de façon étendue et approfondie les concepts de la mécanique avec des applications donc, au monde réel et des réseaux de problèmes comme on a pu le voir auparavant. Donc là, vous allez avoir vraiment toutes les notions de mouvement, dynamique, énergie, équilibre, élasticité, mécanique des fluides, etc. Ensuite, on va avoir donc des chapitres dédiés à l'oscillation et ondes, avec ici des équations d'ondes qui vont être illustrées de manière lucide bah, pour faciliter la compréhension. Des chapitres dédiés à la thermodynamique. Là, pareil, on va couvrir donc, toutes les bases de la thermodynamique. Et donc, on va pouvoir préparer à l'étudiant des sujets de thermodynamique qui vont être plus avancés plus tard dans le programme d'enseignement. Donc là, on va retrouver donc, des vidéos autour de la propriété de température, de chaleur, de gaz, de tout ce qui est loi de thermodynamique, etc. Et enfin, on va avoir donc, des chapitres 22 à 33,
Vous allez retrouver du coup des ressources, donc des vidéos dédiées à l'électricité et au magnétisme. Et avec, donc on va couvrir donc tout ce qui est charge électrique, champ et potentiel, force magnétique, conduction et comportement des circuits à courant continu et alternatif. Et ici, dans ces chapitres, en fait, les cours ils vont être organisés de façon à augmenter progressivement la complexité des sujets. Voilà, donc en fait, ça va aider les étudiants donc, à assimiler les concepts, les équations et les applications avec une plus grande facilité. Voilà, donc ça, c'est les ressources d'Ofcor. On ira ensuite hein, sur le site, je vous montrerai où est-ce que vous pouvez retrouver toutes ces ressources. On verra comment on peut trouver des ressources en accord avec ces enseignements. Donc voilà, donc en fait, juste en conclusion de cette ressource, donc en fait, la collection Core physique, en fait, elle va permettre de répondre à des problèmes, trois principaux problèmes auxquels les étudiants sont souvent confrontés lorsqu'ils étudient la physique, à savoir de pouvoir visualiser des concepts qui sont parfois abstraits pour certains étudiants. On va aussi permettre de répondre aux exigences de certaines compétences mathématiques pour comprendre les équations physiques. Et aussi, on va pouvoir donc répondre à ce problème qui est la nature étendue des sujets hein, qu'est la physique, puisqu'on va vraiment de la mécanique jusqu'à l'électromagnétisme. Voilà, on a vraiment une étendue de sujets variés. Voilà, donc vraiment cette ressource va permettre d'appréhender en fait différents problèmes. Voilà. Enfin, je voulais vous parler aussi qu'on a d'autres collections, donc des autres collections aussi Jove qui peut être utile pour l'enseignement de la physique. Donc en fait, on a une autre collection qui s'appelle Jove Science Education Physique. Où là, en fait, ça va être une vidéothèque qui va être plutôt dédiée à l'enseignement de la théorie et la pratique expérimentale. On va en retrouver 30 vidéos qui vont couvrir la mécanique classique, la thermodynamique, l'électrostatique, le magnétisme, l'optique et circuits électriques. Et là, on est vraiment dans un différents types de vidéos, puisqu'on va vraiment avoir plutôt une approche expérimentale de la physique. Et on va aussi avoir donc, des vidéos qui vont avoir un temps vraiment différent, puisqu'on est sur des vidéos de 6 à 10 minutes. On va présenter la technique expérimentale, le matériel et l'interprétation des résultats qu'on peut avoir avec l'expérience qui est présentée. On a aussi une autre ressource qui s'appelle Science Education, donc qui va vous permettre d'avoir un aperçu plus approfondi des applications de la physique dans des sujets d'ingénierie. Qui va donc couvrir, donc on va vous y retrouver par exemple des ressources en génie électrique et génie mécanique qui peuvent être notamment intéressantes du coup lorsqu'on enseigne la physique. Et enfin, je voudrais juste mentionner que récemment, on a sorti aussi une ressource qui s'appelle Jovecore Ingénierie mécanique avec 11 chapitres. Qui donc vont présenter donc les principes fondamentaux de la physique. Voilà, et donc ça va permettre de fournir une perspective un petit peu aussi d'ingénierie à ces concepts de physique. Là, on est encore hein, dans la vidéo d'animation, comme on a pu le voir du coup avec Jovecore physique. Voilà, mais ça peut être une autre façon aussi de présenter certains principes fondamentaux de la physique. Donc, je ne sais pas si il y a des questions, si vous avez des questions par rapport à ces ressources ou si c'est bon. Ok. Alors, je vais finir cette partie un petit peu théorique, on va dire, sur un exemple d'utilisation de la ressource. Donc là, c'est plutôt Jove Science Education physique. En fait, donc l'idée dans la problématique ici qui était de cet enseignement qui a été créé, c'était la prise en charge des enseignements pour les formations à fort effectif. Donc, je vais vous montrer cette je vais vous mettre d'ailleurs ce blog dans le chat si vous voulez aller voir par vous-même du coup donc là l'idée en fait donc c'est donc une enseignante de l'université de Rennes hein, qui nous présente ce projet hein, qui avait pour but la prise en charge des enseignements pour la formation donc, à fort effectif et du coup donc là on est dans un enseignement qui donc d'un cours d'optique hein, de première année donc de licence 1 comme vous pouvez voir de physique chimie géosciences et mécanique. Et donc, en fait, l'enjeu de cet enseignement, c'était de favoriser le travail en autonomie des étudiants et puis d'assurer surtout une homogénéité du contenu à l'ensemble des étudiants, mais tout en préservant une flexibilité aussi pour les enseignants. Donc, en fait, la modalité de ce cours ici, c'est donc on a une partie qui va être commune, donc accessible à tous les groupes. Hein, donc, on a donc 200 étudiants hein, qui sont répartis dans 8 groupes et qui vont avoir accès en fait à des cours qui ont été créés sur la plateforme Moodle.
Et en fait, ce qu'on peut voir, c'est que donc, en fait, les enseignants, ce qu'ils ont réalisé sur cette plateforme, c'est qu'ils ont créé, en fait, ils ont structuré sur Moodle donc, leur enseignement par chapitre. Et en fait, ils ont accompagné donc, du coup, leur chapitre avec des ressources diverses et variées, mais notamment avec les ressources job. Et donc, en fait, ici, les étudiants étaient amenés à consulter donc, une vidéo, puis à répondre aux questions. Et en fait, ils pouvaient progresser en fait, dans l'enseignement, la leçon, en regardant la vidéo, puis en répondant donc, au QCM. Donc là, en fait, ce que les enseignants ont fait, c'est qu'ils ont intégré directement la ressource sur Moodle. Donc les étudiants pouvaient accéder du coup à la ressource directement depuis Moodle. Ils visionnaient la vidéo, puis ils devaient répondre à un QCM. Et notamment, ce QCM était construit à partir des questions Jeuf, puisqu'il faut savoir aussi que sur notre plateforme, lorsque votre université a accès à l'ensemble de notre plateforme pédagogique, vous avez accès aussi à notre bibliothèque de questions. Donc, ils se sont inspirés de ces questions pour créer donc un QCM associé. Donc là, on voit une application, une utilisation de la vidéo. Là, plutôt dans la partie de travail en autonomie aux étudiants. Donc, les étudiants devaient donc consulter de leur côté la ressource et puis un petit peu se former eux-mêmes à appréhender eux-mêmes les premières notions ici liées à la réflexion et la réfraction des rayons lumineux. Voilà, donc ça c'est une idée d'utilisation. Si vous voulez lire un petit peu plus en détail, je vous ai mis le lien vers cette expérience. Et puis n'hésitez pas à recontacter donc Sylvie Beaufils, qui est professeure des universités à l'Université de Rennes 1, si vous souhaitez en savoir un petit peu davantage sur comment ils ont transformé un petit peu leur cours pour favoriser donc la réussite des étudiants pour des enseignements à fort effectif. Voilà. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est un petit peu d'aller sur le site Job. Et puis on va aller voir un petit peu bah, où est-ce que vous pouvez trouver un petit peu toutes les ressources que je vous ai présentées. Et puis aussi comment on verra par la suite comment vous pouvez intégrer les vidéos sur votre espace de cours Moodle et ainsi donner accès aux ressources à vos étudiants plus facilement. Alors on va aller sur le site. Tac, tac, tac. Donc là, je crois pas, ici. Donc déjà la première chose, donc pour accéder aux ressources jeunes, donc si votre université possède un abonnement, en fait, il suffit donc de vous créer un compte sur notre plateforme. Donc, j'invite vraiment les enseignants à se créer un compte sur la plateforme Jove avec leur adresse institutionnelle, car ça leur permet d'accéder à l'ensemble des fonctionnalités associées aux vidéos. Donc, on va voir, ça va être la possibilité d'intégrer les vidéos, d'utiliser les listes de lecture. Je vous présenterai que sont les listes de lecture par la suite. Aussi de pouvoir utiliser la fonctionnalité quiz quand elle est possible, quand elle est accessible, pardon. Voilà. Et l'intérêt du coup aussi d'intégrer les vidéos directement sur Moodle, c'est vraiment de faciliter l'accès des ressources à vos étudiants, puisque eux en fait vont pouvoir visionner la vidéo que vous avez sélectionnée. Donc déjà le fait que vous sélectionnez aussi un contenu, c'est très important parce que du coup c'est un contenu que vous avez validé et qui va vraiment correspondre à votre enseignement. Et aussi ça leur donner un accès direct sans qu'ils aient besoin eux-mêmes d'aller se créer un compte sur la plateforme. Donc pour se créer un compte, hein, c'est très simple. Je ne sais pas si vous l'avez fait avant de venir sur cette présentation. Vous avez eu le temps un petit peu de consulter aussi des ressources. Je crois qu'on vous avait envoyé aussi peut-être quelques ressources déjà, des listes de lecture en accord avec certaines thématiques de physique. Donc l'idée, c'est de s'identifier. Vous pouvez le faire en même temps que moi. Si vous avez déjà un compte, vous pouvez vous identifier. Si vous n'avez pas créé de compte, donc vous allez cliquer sur s'identifier. Et puis ici, vous allez pouvoir cliquer sur créer un compte. Donc là, vous allez rentrer votre adresse institutionnelle et puis vous allez cliquer sur créer un compte. En fait, donc, ce qui va se passer ici, c'est que vous allez du coup recevoir un mail sur votre adresse mail institutionnelle. Donc n'hésitez pas à aller vérifier dans vos spams parce que des fois, ça peut arriver dans les spams. Et dans ce mail, vous allez avoir un lien de vérification. C'est un peu comme si vous, enfin, comme n'importe quel compte qu'on pourrait créer sur Internet, hein, quelque part. Donc un lien de vérification, vous allez cliquer sur ce lien de vérification et là, on va vous demander plusieurs choses.
votre nom, votre prénom, vous allez devoir remplir différentes choses, nom, prénom, vous avez votre université aussi, vous devez bien sélectionner votre université. Alors si jamais vous tapez des mots-clés dans la barre, le champ dédié à l'université, n'hésitez pas à marquer University of, parce que peut-être que dans notre base de données, c'est rentré en anglais, ça ne va pas être Université de Rouen, par exemple, ça peut être University of Rouen. Donc à bien sélectionner votre université. Et puis surtout aussi, en tant qu'enseignant, de bien sélectionner le rôle, si vous êtes enseignant, le rôle de professeur-instructeur, en fait, pour pouvoir vraiment accéder à l'ensemble des fonctionnalités associées aux vidéos. Et une fois que vous avez donc rempli tous ces champs, vous pouvez cliquer sur Créer le compte. Et normalement, une fois que vous avez fait cela, vous allez arriver donc ici sur la plateforme. Donc moi, je vais m'identifier, hop, et vous allez voir apparaître votre nom, prénom ici en haut à droite. Voilà, donc une fois que vous avez fait ça, vous allez, donc vous voyez donc sur la page, hein, la page d'accueil Job, vous voyez, vous avez donc, comme je vous disais, on a deux vidéothèques, hein, une vidéothèque dédiée à la recherche et une vidéothèque dédiée à l'enseignement. Et donc là, vous allez retrouver, donc si vous cliquez sur l'onglet enseignement, vous allez retrouver donc les ressources dédiées à la physique, ici, où vous allez pouvoir donc retrouver la ressource Job Core, donc celle que je vous ai présentée avec ses 33 chapitres. Qui couvre des fondements de la physique jusqu'à l'électricité et le magnétisme. Donc on a 33 chapitres où vous allez, je pense, retrouver vraiment l'ensemble des ressources qui peuvent accompagner de manière efficace vos enseignements et aider vos étudiants à comprendre les concepts physiques. Et de la même façon, vous allez retrouver, donc, comme je vous expliquais tout à l'heure, la partie plutôt expérimentale, donc science education physique, où là vous allez avoir deux ressources qui vont comporter chacune une quinzaine de vidéos, donc avec une approche un peu plus pratique de la physique. Donc ça, c'est une façon de trouver des ressources, tout simplement en allant dans la partie physique. Comme je vous le disais aussi, en cliquant sur enseignement, vous avez aussi des choses dans la partie ingénierie. Donc si vous cliquez sur ingénierie, du coup, vous allez retrouver toutes nos ressources autour de l'ingénierie avec Job Core ingénierie mécanique et la partie Science Education ingénierie, où là, vous allez retrouver des choses autour de l'ingénierie électrique et mécanique qui peuvent être aussi intéressantes pour l'enseignement de la physique. Il est possible que vous n'ayez pas un accès à l'ensemble de la plateforme. Donc, pour savoir quelles sont les ressources qui font partie de votre abonnement, une des façons assez simples de retrouver cela, c'est de cliquer sur votre nom, prénom, ici en haut à droite. Et vous allez voir qu'en dessous de votre adresse mail, ici, vous avez un petit bouton qui s'appelle MyJob. Quand vous cliquez sur ce bouton, vous allez arriver sur une page de bienvenue. Et sur cette page de bienvenue, comme vous pouvez le voir, vous avez donc dans la deuxième ligne, vous avez différents boutons. Vous avez un bouton qui s'appelle Accès Job. Et quand vous allez cliquer sur ce bouton, vous allez pouvoir visualiser l'abonnement qui a été pris par votre bibliothèque universitaire. Avec donc en bleu, ça va être plutôt les ressources dédiées donc, à la recherche. Et en vert ici, donc dans la partie dans l'onglet Job Éducation, donc les ressources dédiées donc à l'enseignement, avec nos collections Job Core et nos collections Science Education, où vous pouvez retrouver donc soit Core Physique ici et Core Ingénierie Mécanique et ici dans la partie Science Education, du coup la partie ingénierie et la partie physique. Voilà, donc à partir de cette plateforme. De cette page, vous pouvez en cliquant par exemple ici, si je clique sur Physique 1, je vais être basculé directement sur les ressources compris dans la partie physique. Voilà, donc ça vous permet aussi donc un petit peu de voir quel est l'abonnement en place, si vous avez accès à l'ensemble des ressources en physique ou si vous avez accès à une seule partie des ressources physiques. Une autre façon aussi de faire par exemple de la recherche de contenu en rapport avec ces enseignements, c'est de faire aussi une recherche par mots-clés. Donc là, vous avez cette barre de recherche ici en haut de la page. Si vous êtes sur la page principale, cette barre de recherche, elle sera directement ici sur la page principale. Et du coup, vous pouvez faire des recherches par mots-clés. Donc c'est une recherche par mots-clés pour l'instant en anglais. Donc par exemple, si je mets Waves, je vais mettre ça. Vous allez avoir donc ce type de résultats. On va toujours proposer en fait des ressources dans la partie recherche, donc des articles scientifiques, et dans la partie enseignement. Et aussi une bonne façon de repérer les ressources auxquelles vous avez accès, c'est avec ce petit point vert ici qui vous donne, qui vous met en évidence en fait les ressources accessibles via votre abonnement
ou si ça concerne la partie recherche, via, ça peut être de l'open access aussi, hein, ça vous permet d'identifier les ressources en open access. Donc ça peut être une façon aussi de trouver du contenu. Voilà, est-ce qu'il y a des questions déjà par rapport à ça ou est-ce que c'est clair? N'hésitez pas à poser des questions. Est-ce que c'est ce que je sais pas si de votre côté vous avez essayé un petit peu de naviguer en même temps que je vous parlais ou si vous avez fait juste regarder, essayer de faire une recherche par mots-clés, voir un petit peu ce que vous aviez, voir si ça correspond à ce que je vous ai présenté. Donc ça, c'est voilà, c'est un peu les premières façons intuitives, on va dire, de retrouver du contenu sur le site. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les listes de lecture et aussi ce qu'on appelle la cartographie de manuels, les manuels de cours, hein, donc les manuels livres, hein, les supports livres. Et donc, en fait, ça, c'est des ressources que vous allez pouvoir retrouver dans la partie centre de ressources universitaires. Donc, vous voyez, c'est cet onglet rouge ici. Donc, si je clique sur c'est accessible à partir de n'importe quelle page en hein, Jove. Donc, quand je vais cliquer ici, donc, je vais avoir une section appelée donc, des vidéos associées à vos cours et à vos travaux pratiques. Et donc là, on va avoir ce qu'on appelle des listes de lecture. Donc, par exemple, ici, si je clique, vous voyez, dans la troisième colonne, on a des ressources dédiées à la physique. Donc, si je clique ici, donc, sur la partie physique, du coup, ici, on va avoir des listes de lecture qui vont être. Qui vont donc rassembler des vidéos sous une thématique particulière. Donc ici, par exemple, la mécanique, l'électricité et magnétisme, ou encore optique et ondes et optiques. Donc si je clique sur cette ressource, l'idée, c'est un petit peu d'avoir organisé notre vidéothèque un petit peu différemment des chapitres qui vous sont proposés dans la partie Geoff Core, vraiment en quelque part en chapitrant, par exemple ici au niveau de la mécanique, et en mettant vraiment des vidéos sous des thématiques et des notions bien spécifiques. Voilà, donc on va avoir différents types de ressources. Et toujours l'idée, c'est d'avoir, on va retrouver en fait donc, plusieurs types de ressources. Hein, ça peut être des ressources de Geoff Core, donc des vidéos d'animation, ou de Science Education, donc des vidéos plutôt avec des approches expérimentales, ou parfois même, il peut aussi y avoir des vidéos du journal, de la partie recherche. Voilà, donc là, ça vous permet aussi d'avoir un aperçu de l'ensemble des ressources que Geoff peut proposer pour enseigner ici, donc par exemple, la mécanique. Enfin, si je repars en arrière, du coup, dans le centre de ressources universitaires, donc si je clique sur centre de ressources universitaires, donc la dernière. Une autre façon aussi de retrouver un petit peu des ressources, c'est dans la section vidéo, la cartographie de manuels, de livres. Et donc là, ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a aligné en fait, nos vidéos de notre vidéothèque sur les manuels de cours, les manuels traditionnellement utilisés dans les différentes thématiques qu'on couvre, hein, et notamment donc la physique. Donc là, si je clique sur physique, alors je ne sais pas si c'est par exemple, ça peut être des livres sur lesquels vous vous basez pour créer vos enseignements, des livres que vous pouvez conseiller à vos étudiants en complément de vos cours. Donc vous allez peut-être retrouver le livre qui vous correspond. Et du coup, vous allez pouvoir retrouver vraiment des choses intéressantes. Alors si vous allez dans la partie chimie, je pense qu'il y a aussi des choses que vous pouvez utiliser, parce que je sais qu'il y a des enseignants qui utilisent aussi. Dans la partie des livres aussi que vous pouvez retrouver dans la partie physique pour certains enseignements de la physique, notamment par exemple sur la thermodynamique, qui sont des domaines à la frontière un petit peu entre la physique et la chimie. Voilà. Et donc en fait, l'idée de cette cartographie, c'est que par exemple, si vous cliquez sur le premier livre ici, vous allez retrouver, on a donc en fait les vidéos qui correspondent à chaque chapitre de ce livre. Donc ça peut être intéressant parce que, encore une fois, si c'est des chapitres des livres sur lesquels vous vous basez pour créer vos enseignements ou que vous conseillez à vos étudiants, bah, les étudiants ils peuvent avoir donc le livre et associer les vidéos qui correspondent aux notions abordées dans ce livre et dans chaque chapitre de ce livre. Donc par exemple, si je prends donc le chapitre 1 ici associé à ce livre, voilà, on a associé donc les vidéos correspondantes dans notre vidéothèque pédagogique dédiée à l'enseignement de la physique. Donc voilà, donc ça c'est aussi une autre façon de trouver des ressources avec une organisation un petit peu différente, encore une fois, que la ressource pure et brute que vous pourrez retrouver, donc comme je vous le rappelle, dans la partie enseignement. Voilà.
Enfin, je voudrais je vous partager un document. Donc, c'est ce document-là. Je ne sais pas donc, si je vous le mets, si je vous le mets dans le chat, si vous y avez accès. Je sais pas, tu peux me confirmer que vous avez accès, Chris, s'il te plaît. Et en fait, donc, là, ici, vous allez retrouver encore une fois, c'est des listes de lecture, donc organisées par type, par thématique, partie d'enseignement. Et ici, vous avez la partie dédiée à la physique, avec donc la partie foundation. Donc, vous allez retrouver, donc, si je dis pas de bêtises, voilà, donc les listes de lecture qui correspondent en fait aux différents chapitres de la physique. Donc là, vous allez retrouver le chapitre 1 de Geoff Corps Physique, etc. Donc, par exemple, si je tire sur le chapitre 1. Voilà, vous allez retrouver vraiment l'ensemble des vidéos qui correspondent au chapitre 1. Donc ça peut être assez utile pour vous si toutefois vous aviez un chapitre vraiment très intéressant qui correspond, enfin, vous avez envie d'utiliser dans son entièreté avec vos étudiants. Donc voilà. Donc ça, c'était l'accès un petit peu aux ressources Jove en physique. Maintenant, ce que je vous propose de regarder, et on verra par la suite si vous êtes intéressé par la fonction quiz, je pourrais vous la présenter à la fin. Mais on va regarder du coup maintenant comment vous pouvez intégrer donc, les ressources sur votre espace Moodle. Alors imaginons, donc là je vais garder cette liste de lecture. On va voir comment on peut intégrer une liste de lecture, comment on peut intégrer donc, une vidéo ou une liste de lecture dans son entièreté. Alors, la liste de lecture, il y a aussi quelque chose que j'ai oublié de vous mentionner. Alors, vous pouvez vous créer vous-même vos listes de lecture en naviguant sur le site. Vous avez un onglet à côté des vidéos où vous pouvez ajouter en fait les vidéos à une liste de lecture que vous créez en fait au fur et à mesure de votre navigation sur le site et de votre construction du cours. Mais sachez que c'est un service aussi qui est offert avec votre abonnement, à savoir qu'il vous suffit de m'envoyer, puisque c'est mon rôle de support, hein, comme je vous rappelle, mon rôle c'est d'accompagner, de vous aider dans l'utilisation de la plateforme et aussi de vous faire gagner du temps dans la recherche notamment de contenu. Donc, il vous suffit de m'envoyer en fait votre syllabus ou les mots-clés de votre enseignement. Et moi, je vous reviens avec une liste de lecture en adéquation avec votre cours et je vous fais une proposition de vidéo correspondante. Voilà, donc ça vous permet un petit peu, comme vous disiez, aussi de vous faire gagner du temps. Ça ne vous fera pas gagner le temps de visionnage des vidéos, bien sûr, parce qu'il faudra être sûr que ça correspond bien à vos besoins. Mais en tout cas, ça vous fera gagner du temps sur la recherche, de fouiller dans la vidéothèque, etc. Voilà. Donc ça, n'hésitez pas. Vous pouvez m'écrire sur mon adresse mail que je vous remets dans le chat. Hein, donc c'est alexandra.cribier.jove.com. Voilà, donc n'hésitez pas, vous pouvez m'envoyer dès maintenant si vous le souhaitez votre syllabus et je peux revenir vers vous avec des listes de lecture adaptées. Voilà. Alors, rentrons dans le vif du sujet, donc intégrer une vidéo au cours Moodle. Donc je vais partir de cette liste de lecture. Donc soit c'est une liste de lecture que vous avez trouvée vous-même que vous avez créée, vous avez trouvée sur le site ou que je vous ai créée pour vous. Et puis, vous êtes plutôt favorable à la distribution des vidéos au fur et à mesure de votre cours et vous préférez intégrer les vidéos une à une dans votre cours. Donc, par exemple, je vais prendre la première vidéo. Donc, je vais cliquer sur la vidéo ici. Hop. Donc là, vous voyez, quand je clique sur la liste de lecture, vous avez votre liste de lecture qui s'affiche sur le côté. Et vous avez une petite flèche ici qui vous permet de la rentrer, ce qui peut être pas mal parce que parfois, ça peut cacher des boutons fonctionnels. Voilà. Et donc ici, donc à côté de, donc là, une fois que je suis sur cette vidéo, donc vous avez la possibilité donc d'intégrer la vidéo à votre espace de cours Moodle. Donc si vous êtes sur le site en anglais, vous avez ce bouton ici qui s'appelle Embed vidéo. Je vais passer le site en français comme ça. Hop, normalement, on va avoir ici, voilà, vous avez intégré la vidéo. Donc je vais cliquer sur ce bouton qui s'appelle Intégrer la vidéo ici. Et là, vous arrivez sur cette page où il y a beaucoup d'informations. Ça vous permet de voir, vous avez bien validé la bonne vidéo dans la partie gauche. Ici, dans la partie droite, vous allez avoir différentes informations. Donc ici, vous avez la barre. Moi, je vous invite toujours à sélectionner le français par défaut parce que ça vous permet, si la voix off est disponible, du coup, la voix off sera automatiquement activée à la lecture de la vidéo. Après, sachez que c'est quelque chose qu'on peut resélectionner une fois que c'est intégré sur Moodle. Donc, ce n'est pas bien grave si vous oubliez de le faire.
Et ici, en fait, une fois que je suis là, j'ai plus qu'à copier sur copie. Vous voyez, vous avez en dessous, vous avez une espèce de. C'est un code HTML ici qui est là. On s'en occupe pas. Ce qui nous intéresse ici, c'est de la barre ici, le bouton copie embed code. Donc là, je vais cliquer sur copie embed code et c'est tout ce que j'ai à faire. Donc je répète, vous avez sélectionné votre vidéo. Sur la vidéo Jeff Core en bas à gauche, vous avez un bouton qui s'appelle intégrer la vidéo. Donc je clique sur ce bouton et j'arrive sur cette page ici. Et sur cette page, je vais cliquer sur copie embed code. Donc une fois que j'ai cliqué sur copie embed code, c'est tout ce que j'ai à faire sur le site Jeff. Je vais aller sur la plateforme Moodle. Et alors, peut-être vous n'avez pas exactement quelque chose qui correspond à ça, mais je pense que globalement, vous allez vous y retrouver dans ce que je vais vous présenter. Ici, donc, je vais activer le mode édition. Donc, comme vous êtes très familier, j'imagine, avec ça, pour pouvoir, ça me permettre d'éditer du coup ma page de cours. Et puis, je vais aller sélectionner, allez, je vais me mettre dans la partie physique, tant qu'à faire. Je vais aller sélectionner donc, la section dans laquelle je veux déposer ma vidéo. Dans cette section, je vais aller cliquer sur le bouton. Ajouter une activité ou une ressource. Donc là, ici, je vais cliquer sur ajouter une activité, une ressource. Et là, comme vous pouvez le voir, donc vous allez avoir plusieurs possibilités. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est cliquer soit par activité, soit par ressource. Ici, c'est une ressource que je vais ajouter. Donc, je vais cliquer sur ressources. Et puis, je vais aller chercher ici le mode page. Donc là, je clique sur le mode page. Je vais pouvoir donner un titre à ma vidéo. Hop. Ici, mince, ici. Vous pouvez laisser une description si vous souhaitez à vos étudiants qui, si vous cliquez sur cette petite boîte ici, apparaîtra sur votre page de cours ou sinon elle apparaîtra au moment où les étudiants vont cliquer sur la vidéo. Donc ça peut être par exemple, je sais pas, ça peut être un commentaire par rapport à la vidéo. Donc c'est toujours intéressant aussi de guider un peu ces étudiants par rapport à ça. Et en faisant défiler la page ici, donc je vais arriver sur la partie contenu ici. Donc là, par exemple, je suis obligée de cliquer sur moi, sur mon Moodle. Ce n'est pas toujours le cas, mais moi, je suis obligée de cliquer sur cette première flèche ici en bas à gauche pour dévoiler l'ensemble des boutons fonctionnels. Et là, je vais aller chercher le dernier bouton. Vous voyez cette espèce de braguette là avec un slash au milieu. Si vous passez votre souris dessus, vous devez avoir HTML qui. Parce qu'en fait, c'est un code HTML qu'on copie. Vous devez avoir donc HTML qui apparaît. Donc je vais cliquer sur ce bouton. Et là, j'ai ce texte qui apparaît. Donc ça, j'en ai pas besoin. Je peux l'effacer. Et j'ai plus qu'à coller ce que j'ai préalablement copié sur le site Jeff. Donc je fais CTRL V avec mon clavier ou CTRL ou clic droit coller avec ma souris. Donc, hop, je colle ici. Et voilà. Là, j'ai inséré la vidéo. Donc je vais sauver et je vais retourner au cours. Je vais aller désactiver le mode édition. Tac. Et puis je vais du coup. Voilà, retrouver la vidéo dans mon cours de physique ici. Donc là, j'ai ma vidéo. Donc les étudiants donc, ils vont pouvoir facilement accéder en cliquant sur tester la vidéo ici. Et puis voilà, ils vont pouvoir lancer la vidéo. Physics is the study of nature Et and comme je vous le disais, ils peuvent toujours ici choisir. Donc si la voix est disponible, ils peuvent choisir un petit peu la voix the disponible. laws that help us in Sinon, aussi dans la barre de navigation, ici, vous avez le bouton CC ici qui permet en fait de choisir le sous-titre de son choix. understanding all. Donc là, il y a le français qui est disponible. J'arrive pas à le. Hop. Donc, ouais, je ne sais pas pourquoi ça ne se résume Physics is the pas, mais. study of nature and the Hop. laws that help us in understanding all Ah si, je ne natural voyais pas. phenomena. Donc du coup, This is donc voilà, ça because vous permet everything. de sélectionner donc, le sous-titre de son choix. Donc du coup, les étudiants ils peuvent aussi choisir un autre sous-titre hein, s'ils sont plus confortables dans une autre langue. Donc, voilà, donc ça c'est la façon d'intégrer une vidéo. J'ai encore le temps de vous montrer rapidement, du coup, par exemple, si vous êtes intéressé d'intégrer du coup la liste de lecture en entier. Alors j'étais où? Je vais repartir en arrière. Clac. Hop, donc là, alors imaginons que je veux intégrer cette liste de lecture en entier ou une autre liste de lecture que vous avez créée vous-même ou que vous m'avez demandé de créer pour vous. Donc au niveau de la liste de lecture, ici, vous avez un bouton qui s'appelle Download CC. Donc là, ça vous permet de télécharger en fait un type de fichier particulier dans lequel vous allez retrouver les vidéos organisées selon votre. Selon l'ordre que vous aurez défini dans votre liste de lecture. Donc là, je vais cliquer sur Download CC. Et du coup, ici, je vais télécharger un fichier. Donc là, si je clique ici sur le téléchargement, donc c'est un fichier, pardon,
avec une extension IMSCC. Donc, je vous parle de cette extension parce que c'est important pour que vous sachiez quelle est l'icône que vous allez devoir sélectionner pour aller intégrer cette liste de lecture. Donc, je vais retourner sur mon cours Moodle. Là, je vais activer le mode édition, ici, hop, de la même façon que tout à l'heure. Je vais aller ajouter une activité, une ressource. Et puis là, je vais aller chercher, en fait, l'icône IMS Content Package. C'est cette icône-là que je vais devoir sélectionner pour pouvoir, télécharger le fichier que j'ai téléchargé à partir du site Job. Si vous ne trouvez pas, vous pouvez taper IMS dans la barre de recherche. Et là, vous voyez, vous avez donc cette icône IMS Content Package. Donc, je vais cliquer sur ce bouton-là. Donc là, on peut mettre par exemple le cours physique semestre 2, par exemple. Vous pouvez toujours laisser une description à vos étudiants. Et puis ici, vous allez pouvoir aller choisir votre fichier. Donc soit vous le prenez et vous le faites glisser jusqu'à l'endroit ici, là, vous faites un drag and drop, finalement, glisser et déposer. Soit vous pouvez aller choisir votre fichier, comme par exemple lorsque vous insérez une pièce jointe à un email, par exemple. Donc, je vais cliquer sur choisir un fichier. Donc là, télécharger un fichier. Aller choisir un fichier. Et puis, moi, c'est dans ma partie téléchargement ici. Voilà, il est là. C'est ce que j'ai téléchargé aujourd'hui. Donc là, je vais aller sélectionner le fichier, le fichier que j'ai téléchargé, qui correspond donc à ma liste de lecture. Je vais l'ouvrir. Là, je vois, je l'ai bien sélectionné. Je les télécharge. Hop, et voilà. Et c'est tout ce que j'ai à faire. Je vais sauver et retourner au cours. Et en fait, du coup, donc, je vais désactiver le mode édition. Tac. Et donc, dans ma partie physique, ici, je vais retrouver du coup ma liste de lecture qui est présente. Voilà, avec les vidéos. Et puis, les étudiants vont pouvoir renaviguer à travers les différentes vidéos et retrouver donc les vidéos en adéquation avec des notions en particulier, un chapitre de votre cours, etc. Voilà, donc ça vous permet vraiment d'insérer plusieurs vidéos en une seule fois. Voilà. Vous pouvez aussi vous faire des petites playlists avec seulement 5 vidéos hein, qui vont vous permettre de résumer, de mettre en avant les notions les plus importantes en rapport avec votre cours. Voilà. Voilà. Donc là, c'était une façon d'intégrer donc soit une seule vidéo, soit une liste de lecture. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Je crois qu'il y a plus trop de questions. Non, moi, je n'ai pas eu de questions passer sur le chat. Ça veut dire que tu as eu une présentation claire et limpide. J'espère en tout cas. Voilà, je finis. J'ai encore une personne, il y a encore quelques personnes de présentes. Donc ça, c'était. Qu'est-ce que je voulais dire? Pour finir, je voudrais rapidement vous présenter. Je crois qu'on a encore 2 petites minutes pour vous présenter la fonction quiz. Donc cette fonction quiz. Après, n'hésitez pas à me recontacter. Cet accompagnement, hein, il n'est pas juste au titre de ce webinaire. Voilà, il n'est pas ponctuel. Vous pouvez me recontacter à la suite du webinaire. On peut se revoir rapidement au cours une petite entrevue Zoom et on revoit des points spécifiques, que ce soit sur le partage des vidéos, la création des listes de lecture, etc. Et notamment donc aussi donc la fonction quiz que je vais présenter ici. Donc où est-ce que vous pouvez retrouver donc cette fonction quiz? Donc si vous cliquez sur l'onglet enseignement, vous allez retrouver, vous voyez dans la troisième section, un onglet qui s'appelle J'offre quiz. Donc si je clique ici, vous allez arriver donc sur cette page. Et on va retrouver donc des onglets ici. Donc mes quiz, si vous n'avez jamais créé de quiz job, là vous n'aurez aucun quiz de présent. Vous n'aurez rien sur cette page. Et vous avez ensuite un bouton qui s'appelle Créer de nouveaux quiz. Donc ça c'est assez intéressant parce que vous pouvez créer de nouveaux quiz à partir donc de notre bibliothèque de quiz que l'on vous propose sur notre plateforme. Ce qu'il faut savoir qu'avec chaque vidéo job, en fait, on va proposer des questions. Et donc vous pouvez dans cette bibliothèque resélectionner. Vous pouvez sélectionner ici, vous pouvez faire une recherche par mot-clé ici hein, dans la barre de recherche. Vous pouvez retrouver les sujets. Donc là, si je prends par exemple Geoff Core Physique, vous allez retrouver les différents chapitres voilà, dans l'ordre, hein, les différents chapitres que l'on propose dans notre Geoff Core. Et donc, vous pouvez par exemple, si je sélectionne ici cette thématique, donc on va retrouver le chapitre 32 sur les circuits de courant alternatif. Et là, on va avoir donc 39 questions en rapport avec les vidéos qui correspondent donc à cette thématique. Donc, à quoi ressemble
ce quiz. Donc, on va aller le prévisualiser pour vous montrer à quoi ressemble ce quiz. Donc là, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va pouvoir avoir donc les vidéos avec les questions associées. Et sachez que donc ces quiz, vous pouvez donc les ajouter à votre propre librairie de quiz, et vous pouvez aussi, du coup, les intégrer sur Moodle. Et dans ce cas, les étudiants, ils vont pouvoir retrouver donc les vidéos avec les questions associées. Donc là, je suis un peu limitée en temps, donc je ne vais pas vraiment pouvoir vous montrer comment on fait, mais c'est le même principe. Donc, imaginons que ce quiz donc m'intéresse. Je vais pouvoir donc l'ajouter à mes quiz. Voilà. Donc, une fois que je l'ai ajouté à mes quiz, je vais retrouver ce quiz dans mes quiz. Donc, je vais cliquer sur l'onglet mes quiz ici. Là, vous voyez qu'on a le chapitre 32 là, qu'on vient d'ajouter à mes quiz avec donc ces 39 questions. Donc, si je continue dans la ligne de ce quiz, j'ai ces trois petits boutons ici. Et là, vous pouvez éditer le quiz. Pourquoi je vous parle de cette fonction Edit? Pour la simple et bonne raison que les questions qu'on va proposer aujourd'hui, elles sont en anglais. Alors, je sais qu'il y a des enseignants qui ça ne dérange pas d'utiliser en anglais. Si toutefois, vous n'avez pas envie d'utiliser les questions en anglais, vous pouvez les éditer, puisqu'en fait, tous les champs en fait, sont éditables sur les quiz. Vous pouvez. Alors, je pense que c'est un peu long. Vous pouvez vraiment, comment dire, éditer le quiz. Vous pouvez traduire les questions si ça vous intéresse. Vous pouvez créer des questions vous-même, si jamais ça vous chante. Vous pouvez vraiment, voilà, vraiment éditer le quiz à votre guise. Donc, c'est un peu long parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de questions avec le temps que ça charge, etc. Voilà, mais sachez que tous ces quiz sont éditables. Du coup, si vous êtes intéressé par cette fonctionnalité, bah, n'hésitez pas à revenir vers moi, je pourrais vous la présenter plus en détail, voilà, en tête à tête quelque part, si je peux dire, et puis pour vous montrer aussi comment intégrer. Mais l'intégration, ça reste le même principe. Vous allez télécharger un fichier que vous allez pouvoir importer sur votre plateforme Moodle. La seule chose, c'est que ça sera un package score. Bah voilà, donc du coup, je ne sais pas si on a encore des questions. Donc, si vous avez des questions en ce qui concerne votre abonnement ou l'accès à la plateforme, vous pouvez contacter Jade Rabat ou Christophe Cerdan. Vous avez leur adresse email ici. Tout ce qui est accompagnement, utilisation de la plateforme, aspect technique, pédagogique, si vous avez des projets, ce genre de choses, vous pouvez intégrer les vidéos Jov. Bah, n'hésitez pas à revenir vers moi, donc alexandra.crivi@jov.com. De toute façon, je vous enverrai un petit message à la suite de ce webinaire. Et vous pouvez reprendre rendez-vous à tout moment. Et on peut revoir les choses si vous désirez insérer et utiliser les vidéos Jov dans vos enseignements. Donc vraiment, n'hésitez pas à me recontacter. Je suis là pour ça. Voilà. J'espère que ce webinaire vous aura été utile. Merci pour votre participation. À la suite du webinaire, il y a un petit questionnaire. Donc n'hésitez pas à prendre 2 petites minutes pour répondre. Il y a quelques vraiment genre 5 questions. Voilà, vos retours sont importants, donc n'hésitez pas à prendre le temps de répondre à ces questions. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne après-midi et à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.